prétendu refus de passeport diplomatique à Charles Blégoudé, le démenti du COGEP. Depuis quelques jours, sous l'avatar Chris Yapi, une information mensongère, relative à un prétendu refus de passeport diplomatique, qu'aura sollicité Charles Blégoudé, le président de notre parti, circule sur les réseaux sociaux. La direction du COGEP tient à apporter un démenti cinglant à cette autre vaine campagne de désinformation au sujet du leader Charles Blégoudé. Le COGEP tient à informer l'opinion nationale et internationale que le président Charles Blégoudé n'a jamais formulé une quelconque demande de passeport diplomatique. Dès lors, une question mérite d'être posée. Comment serait-il possible de refuser à une personne ce qu'elle n'a pas demandé? La vérité est que, le président Charles Blégoudé a plutôt formulé une demande de passeport ordinaire via l'ambassade de la Côte d'Ivoire à La Haye. Les autorités de la Cour pénale internationale en sont pleinement informées depuis le 6 avril 2021. Les autorités ivoiriennes aussi ont été saisies depuis les dernières délégations dépêchées auprès d'elles. Car le président Charles Blégoudé souhaite que l'obtention de son passeport et son retour en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le processus de réconciliation en cours. Pour finir, et pour ne point laisser prospérer le mensonge, le COGEP ne saurait rester sans réaction, face à aucune campagne de désinformation, au sujet de son leader. Il opposera toujours l'information vraie à la désinformation, afin que nul n'en ignore, et qu'aucun doute ne germe durablement dans aucun esprit. Fait à Abidjan le 17 mai 2021. Pour le COGEP. Dr Patrice Saraka. Secrétaire général du COGEP.